Salut à tous et à toutes, et j'en profite pour vous dire en même temps que Funodave saute de joie. Eh ouais, je saute de joie, tout, t'entends pendant les mains, je suis trop fort. Pour vous annoncer que là, on tourne cette vidéo en 1.1, mais je pense que quand cette vidéo va sortir sur YouTube, on sera déjà en 1.2. Ou si ça l'est pas, et ben ça y passera prochainement, ne vous en faites pas. Bon, Alors on fait mon. cette vidéo, mais en fait, elle sera que sur la chaîne de Nation. Enfin, le début en tout cas. Le début, voilà. La fin, il y aura quelques nouveautés que ça fera un petit hors-série en quelque sorte pour Funodave. Mais le début, en fait, je vous explique, il y a Fraps qui m'a lâché. En fait, il y a des fichiers qui ont été corrompus. Ouais, c'est bon, on veut pas leur soulever avec ça des chats. Bien entendu. Du complètement que je ferme ma gueule et puis tout va bien, quoi. Bah oui. Hein. Bien sûr. Bon. Avec ce petit Funodave qui est ravi de m'entendre parler, À nous allons fond. donc vous présenter ces nouveautés. T'es là? Oui, je suis là, mais j'étais juste en train de t'écouter parler. Eh oui, avec ma magnifique voix que vous aimez tant. Alors, Attends. déjà, bon, je pense, je sais pas s'il y avait déjà des maisons qui étaient construites dans l'épisode qu'on avait fait. S'il n'y en avait pas, et ben voilà. Donc ici, c'est la ville d'Osidris, la ville du spawn. Faut savoir qu'on a un nouveau site web qui est en construction. C'est HTTP. Le On peu est qui vient synchro là, juste de te faire chier en fait. on est synchro, hein. C'est HTTP 2.// mainpiece. C'est quoi après? Point site go. Non, Non, justement, ça non. c'est l'ancien, Philo. Point Olap Network. Point. Olymp-network.com. De toute façon, vous allez sur l'ancien site qui est mainpiece.sitgo et vous aurez la redirection du site. Vous allez Voilà. aussi sur le forum, vous avez l'adresse du nouveau site web. Quoi, enfin, vous pouvez y aller sans problème. On rappelle que le site a été créé par Web A Cappella, hein, donc pas super. Voilà, donc c'est du flash. Ça, ouais. C'est du flash, il y a des zones de texte, de couleurs, mais Ouh, niveau super. effet, bah, En fait, non. c'est équivalent, c'est comme si tu faisais ton site web en code Tout à HTML en fait. fait. Mais c'est en tout cas nettement mieux que sur Nitro. Que sur Nitro. Qu'est-ce que je Oui, bien raconte? sûr. Que sur SiteGo. Je vais y arriver. Ah oui, et en parlant de Syndroserve, ça sert à tout. Il faudrait faire une petite parenthèse. Niveau hébergement, est-ce que vous avez des hébergeurs parce que moi j'avais vu c'était sur N1 serveur, je crois. Alors, je vous explique pourquoi Funodave nous sort ça de son chapeau. Ouais, Tout voilà. simplement parce que notre serveur Mainpiece, je l'ai loué pour 6 mois. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans C'est l'épisode pour que précédent. tout le monde se mette au clair comme ça. Or, voilà, maintenant, il reste moins de 4 mois déjà. Et c'est assez dur de refoutre 6 mois pour 60 euros, Parce 65 que euros. ça coûte un peu la peau du cul. Voilà, je vais pas pouvoir tirer à chaque fois 65 euros de ma poche pendant tous les 6 mois. Donc là, au bout de 6 mois, là, il reste plus que 4 mois. Donc dans les 4 mois suivants, après, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, Funodave m'a aidé à trouver un autre hébergeur qui se nomme. Un serveur, je crois. Attendez 2 secondes. Je reviens. Donc enfin, ce serveur propose 10 slots pour 5 euros, me semble-t-il, par mois. Donc ce qui est deux fois moins cher pratiquement que tout simplement le serveur que j'ai loué chez NitroServe. Donc c'est déjà quand même une bonne chose. Alors, on voudrait savoir un petit peu votre avis si vous aviez déjà loué sur ce serveur, si vous le trouvez bien, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il n'est pas très fiable, et aussi si vous connaissez d'autres serveurs qui sont même mieux que NitroServe et leur prix beaucoup moins important, bah, ça serait Est-ce que sympa de nous le faire savoir tu leur aussi. as dit le prix de NASERF? Oui, 5 euros par mois, c'est ça, Voilà, pour 10 slots. pour un 10 slots, donc je vous Là, dis, ça vaut le coup. on est sur 12 slots actuellement, hein. Voilà. Donc pour juste 2 slots en moins, ça va Bon, pas rager, hein. on revient pour le but de cette vidéo, Fino? Ouais, voilà, je crois mieux.
crois mieux. Alors, C'est pas forcément. revenons dans cette vidéo pour vous présenter donc les nouveautés. Donc, je vous disais, ici c'est Ojidris, donc là, la zone résidentielle. Voilà, donc il y a des terrains encore de disponibles. Je peux agrandir les zones si vous voulez avoir une petite maison. Sachez que quand vous arrivez sur le serveur, vous êtes. Ah, je prenais Vous êtes, Nicolas voilà. à Funo. Vous êtes. Bah, vous êtes. Bah, vous arrivez sur le serveur, vous êtes Oui, mais donc juste. arrivant. Voilà. Oh Arrivant, là et là! pour être citoyen, il faut. Donc, déjà en C'est étant pas arrivant, vraiment. vous pouvez construire votre maison, vous pouvez participer franchement au serveur. Mais il y a un grade au-dessus qui est le grade de citoyen. Et avec citoyen, vous pouvez notamment verrouiller vos portes, vos coffres. Et pour ça, il faut déjà être sur le serveur depuis une semaine. Et puis d'autres choses, quoi. Vous verrez tout ça dans la rubrique grade qui est sur notre nouveau site web. J'étais parti pour dire quoi, moi? Ah, je sais pas, c'est toi qui fais la vidéo. Merde. Ah oui, donc Le même blanc. quand vous êtes arrivant, vous pouvez acheter des terrains sur la ville de Osidris. Donc je t'invite à venir devant le bâtiment, on va dire le bâtiment public, on n'a pas encore donné de nom à ce bâtiment, qui se trouve juste à côté de la mairie, petit Finot. Ok. On a perdu Finot. Non. C'est qui est là? Ah, c'est toi. T'étais chez Frixi, putain. Bon, tu viens? Donc, ce bâtiment, ben, c'est un bâtiment où tout simplement on peut se réunir. Voilà, donc là, y a des tables où on peut manger, du coup, façon de Oui, parler. sauf qu'on a un peu rien à manger. Voilà. En haut, tout C'est plus de simplement la un petit déco. pupitre avec, ben, pour dire salut, comment ça va, quoi, venez. Quoi, voilà, ça fait un petit peu réunion pour dire des choses un petit peu importantes. Et en bas, tiens, comment ça se fait qu'il y a ça là? Et au sous-sol, on a fait le fameux échangeur. Qui ne marche pas, bien sûr. Ouais, ben, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'en fait, comme là, c'est une zone non sécu, bon, on a des petits problèmes parce qu'il y en a qui s'amusent à bidouiller un petit peu le système. Mais enfin, vous pouvez normalement échanger vos objets Ouh, en il y a un toute mec qui a fait un sécurité. pulseur, je crois. Comment? Il y a un mec qui a fait un truc qui peut faire clignoter les trucs, je crois. Ah, ben oui, ben il l'a modifié, hein. C'est Voilà. ça qui est chiant. Donc, tout simplement, je pense que Aïe. vous aurez pu comprendre d'où venait notamment ce système. J'ai regardé le tuto de Redkill 24. Plus connu sous le nom avec son fameux cobaye de Labocraft. Bon, on continue mon petit Funo. Encore une. Bon, il Je suis en revient. train de nager moi dans l'eau. Ouh, slash TPNA. Donc, ça serait bien qu'on fasse la visite le jour. Alors, je sais absolument pas combien de temps dure à cette vidéo. Alors, C'est pas maintenant, grave. on va aller visiter, je pense que vous l'avez vu par sa grande et imposante structure, Oui, bon, c'est bon. Hein. la cathédrale. Je sais que t'en es fier, mais bon, quand même. Ben, disons, j'ai vu. Ben, du coup, je Si, l'ai fait. Hey. Désolé si personne n'a voulu m'aider pour faire la cathédrale. je Désolé, crois qu'il y hein. avait Hugo R8. Pour faire le toit. Pour faire Wouhou. cette partie du toit, je précise. Hein. Ouh, voilà. Cette partie, il m'a aidé à poser les escaliers. Voilà. Bon, Et le moi, plus j'ai chiant, aidé ça a à été rien poser. de faire le toit, on va dire, en quelque sorte arrondi. Et comme j'ai pas trop réussi, bon, ça fait Ça beau. fait bizarre, mais bon. Mais elle est quand même pas mal. Il y a deux petites tours où on peut monter de chaque côté. Donc voilà, on entre. Donc elle est assez imposante hein, quand même, il y a pas mal de bancs. Ça change de l'église. Oh tiens, il y a des araignées dedans. Ça change de l'église qu'on avait sur le serveur qui est hébergé sur mon ordinateur portable. Je sais pas s'il y en a Le qui vieux s'en rappellent. serveur. Il fait quoi le finot là? Oh, je fais muse. Donc voilà. J'avais fait quelques petits plans et puis je me suis mis après
au travail pour la construire. Bon, donc là, des petits escaliers, on monte dans la tour et on peut ainsi arriver en haut ici. Voilà. Donc où ça mène? Ça mène tout simplement là. Danton. Bon. On est content mais bien Philo, pour cher le frère, petit mais bien commentaire cher que tu nous as sœur. fait, que tu nous as gentiment fait partager. Si tu as de meilleures remarques. Ah oui. Non. Des choses à dire niveau plugin, Fino? Non, pas trop. À part que c'était il y a un certain bout de temps, mais on s'était sorti d'une galère avec les plugins, je crois, à résidence, quoi. Ouais. C'était un petit bout de temps quand même. Ouais, mais à part ça, nous, on n'y a rien. Là, on va aller à Auslande, et pour aller à Auslande. Ouh, très très original nom de ville. Pas du tout repris de l'ancienne. Ouais, il y a pas grand Comment chose ça se trouve? qui s'en rapproche par rapport à la ville d'Auslande sur l'ancien serveur. Mais voilà quoi. Vous voyez, c'est le bâtiment des TP au loin. D'ailleurs, on va le visiter, Fino. Ouais. Hein? On y va? Ouais, vas-y. L'enthousiasme de Fino! Wouhou! Ouais, super. Bon, j'ai essayé de faire un Donc, truc rond, hein, dites-moi. ouais, c'est une tour un peu bizarre qui sert strictement à rien. À part emmerder les joueurs qui sont morts et puis qui respawnent là-dedans, Bah pourquoi? et puis qui sont chiés à pouvoir tout ressortir. Mais Si, avant, si, avant si, c'était sinon, ici le... sinon, les trucs de TP sont bien. Le point de spawn avant, il était ici. Mais c'est quand même mieux d'être dans un bâtiment, non? Alors moi, je l'aurais mis directement dans la ville. Bah, t'inquiète, la ville, elle va se prolonger ailleurs. Mais voilà. Je pouvais pas le mettre au centre de la ville, là où il y avait déjà des constructions, réfléchis. Si t'aurais pu être à Bon. côté de la cathédrale, ici quoi. Donc, on va... Voilà, donc, un bâtiment DTP assez haut, assez lumineux Assez par... imposant. Assez lumineux, oui, bah, assez lumineux par ces blocs de fer. On dirait une synagogue, le truc. Puis là, on a un petit sas qui reprend l'esprit rond. Voilà. Moi, je t'attends. Hein. J'essaye de combler les trous là, mais je t'attends. Hein. Moi je suis dehors, moi. Ben, on... Ouais. Je vais là-bas. Je suis là. Mais là, on va à Auslan, du Funo. Et je sais. Donc, hop, là, grâce à Les un petit TP. plugin, on peut se téléporter par ce portail-là. Ouais, Donc là, mais pour ici c'est l'instant, fermé. il y Voilà. a, y a, y a, y a Persia qui est en construction. C'est la ville de... Non, mais il n'y a rien. Tu peux Et pas. je sais. C'est la ville qui est en train de construire en ce moment Frixie. On ira la voir à la fin de la vidéo ou Et peut-être nous, dans ce qui l'épisode nous prochain. intéresse, nous, c'est là. Voilà. Hop, Auslande, c'est parti. Bingo. Donc, nous voilà dans Auslande. Donc, Auslande, c'est sur des restes médiévaux. Attention, Mais... restes médiévaux, ça ne veut pas dire que ça en fait une ville médiévale. Tout simplement parce que sinon, ça aurait été un petit peu trop pénible. Ça aurait. Les maisons seraient trop rapprochées. On avait eu l'idée, voilà, de faire ça. De faire des maisons en colombage, des maisons déjà bien touchées, petites. Mais ça posait quand même pas mal de problèmes. Donc on s'est dit, on fait une ville sur les restes moyenâgeux, et puis on peut faire quand même de bonnes petites maisons. Mais il y aurait un truc qui serait pas mal de mettre, ce serait des arènes, oui, et du PVP, mais que le PVP, quand je sais pas moi, faire des guerres entre villes, je sais pas. Ça rajouterait du piment. Eh bien écoutez, pour une troisième version du serveur Mindpiece peut-être? On verra. Pour l'instant, il y a encore pas mal de projets, pas mal de choses à rectifier encore. Et puis, je suis un petit peu débordé en ce moment. Oui, un peu beaucoup même. Bon, aïe, je viens de me faire mal. Donc, là, c'est les ruines du donjon qu'il y avait. Donc, il y avait 3 ou 3, 4 étages, et là, il en reste 2. Donc, voilà. Il fait quoi? Rien. Bon, rien. Ne t'attarde pas sur moi, sinon tu vas trop.
Donc, Bon. pareil, une petite église. Et puis là, tout le tour, voilà, des murailles. Donc, il y a déjà quelques petites maisons qui sont en train de se construire. Mais pas la mienne. Ah, bah écoute, tu fais comme tu veux. Hein. Donc, voilà, les J'ai mon murailles. terrain, mais j'ai pas encore fait Avec la mairie qui est en ma cours de maison. construction aussi. Quoi, c'est une ville qui est en train de se construire. Hein. Elle n'est pas tout à fait ouverte encore. Puisque justement il n'y a pas assez de maisons et Là, puis c'est que chez qui, tout là? n'est pas fini. Alors la particularité aussi de cette ville justement, Fino, tu m'as refait penser à ça, c'est que là quand vous achetez un terrain, vous n'avez pas que les 10 blocs supérieurs au sol qui vous appartient, mais tout de la bedrock jusqu'aux 10 blocs supérieurs. Donc vous avez tout l'espace en dessous, donc toute la cobble, tous les minerais, tout ça aussi vous appartiennent. Vous pouvez aussi aménager votre sous-sol pour en faire une mine ou tout simplement une nouvelle pièce. Va pas me dire Donc pourquoi Hugo R8 a mis ça au-dessus. hop, donc Hugo R8 a fait ses petites plantations en dessous. Il a mis de l'eau au-dessus. Ah, il a fait une petite piscine. Bon. Voilà. Voilà. Donc. Donc, Wouhou! eh ben, écoutez, je pense que je vais vous retrouver d'ici quelques secondes pour continuer cette vidéo. En attendant, je vous laisse sur un petit out of memory et à tout de suite. Re, donc après ce petit out of memory, je suis en game mode 0, je n'aime pas game mode 0. Mais tu pourrais faire au moins un compte à rebours, merde. 5, 4, 3, 2, 1, action. Voilà pour le petit Fun Dave qui n'avait pas commencé parce que tout Voilà. simplement j'avais oublié de lui dire que je commençais à tourner la vidéo. Bah oui, quand même, il faut quand même me le dire. Alors, sinon, le Jean-Luc petit est finot ne peut resté pas suivre. après le petit out of memory. Voilà. Donc, on va peut-être voir la salle d'exposition. Non? Si, 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 bien sûr. Allez, wouhou. Donc, je vais revenir par le petit portail qui se trouve au centre du donjon. Alors, dans ce donjon, il y aura pas mal de choses qui seront prévues, comme tout simplement des sauts d'obstacles qu'on pourrait faire. Quoi, ça serait un. Une attraction en quelque sorte. Bon. Donc, la Alors. salle d'exposition va être ouverte devant vos yeux. Pourquoi Je j'ai coupe le oublié? son parce que ça commence à cracher. Oui. Alors, vous voyez, ça, c'est le bâtiment enfin, du spawn. Voilà. Que Nation vous a présenté précédemment. Voilà, donc. Donc, voilà. Tout simplement, j'ai essayé de faire une coupole. C'est assez haut, tout simplement pour que ça laisse pas mal d'espace, pas mal de luminosité, tout simplement que ça soit agréable. Voilà. Avec son petit sas, avec un petit rond un tout petit peu plus petit. Donc bon, j'ai essayé de faire ça avec Paint, les ronds. Je pense que ça Oui, donne bon plutôt bien quand voilà. même. Les ronds avec Paint. Enfin déjà rien que Paint, c'est pas super. Ouais, mais je sais pas s'il y en a qui connaissent la technique ou pas. Ben, on met par exemple, on veut faire du 15 par 15 pixels, on fait un rond de 15 par 15 sous Paint. Wouhou, comme par hasard, il Ouais, faut qu'il y ait un et aspirateur. ça nous indique justement où placer les blocs. Et 2 secondes, je reviens. Bon, après ce petit bruit d'aspirateur. Wouhou. Au moins, ça dit que ma maison est propre, hein. Là, c'est indéniable. Ça Donc. dépend si tu le passes tous les mois et si c'est tombé sur le pile le jour où tu le passais. Oui, bon, Ça on va va pas pas tout le temps. chipoter, hein. Bon, après, on continue par quoi? Bah, tout simplement, on va commencer la salle d'expo. Oui. Je vais me Et mettre en charge le terrain. facecam. Oui, c'est bien, tu vas charger le terrain maintenant. Charge. Oui, c'est T'as bien, bugué allez, toi? vas-y, charge.
Non, je dis à mon Minecraft de charger le terrain. Allez, vas-y, c'est bien, bravo. Bon, alors, la salle d'expo étant là-bas, je crois, non, ah ben non, je sais pas aussi, elle est là-bas. Nous allons y visiter. Tac. Oh putain, ces bruits qui crachent, mais là, ça me fait chier. Voilà, C'est c'est bon. combien la bedbox? C'est du 7. Hop, on va mettre du verre à la place. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Et je vais même Donc rentrer vu de dedans. haut, voilà. Bon. Mais on va la visiter en rentrant peut-être par Ouh, ici. ça fait mieux. Non, mais prends ta boussole. Ça marche mieux. Ouais, mais moi j'ai pas la boussole. Donc voilà. Attends. Donc on entre. S'envoler, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, c'est le bâtiment pour exposer. Je sais pas, moi, vos constructions, je crois, oui. Non, Ouais, non, non, donc là en oui. ce moment le thème c'était ouais, la redstone, hein. Il y a plein de choses. Oula. Oh putain. Alors je vous explique, en fait il y a eu une grosse inondation. Donc ça a enlevé tous les fils de redstone et tout ça. Donc, Donc ceci est des bloc-notes, on, attends, enfin, attends. et des bloc-notes. On revient, Et Finot. oui. Copie. Donc, nous revoilà. Et donc là, la sonnette marche, tout le bordel, tout fonctionne. Voilà. Bon, on a juste remis en fait les petits trucs de redstone. Donc, ah, coucou. Donc, là, c'est comment faire une petite sonnette. Assez simple. J'ai mis aucun bloc en dessous parce que ça fait un meilleur bruit. Voilà le télé. Je sais pas si vous l'aurez entendu dans la vidéo. Attends, je vais augmenter le son à fond. Voilà. Donc ce sonnette basique, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en dessous, je sais pas moi, ce que vous voulez, du sable, de la cobble. Bon, je pense que vous connaissez ce principe, hein. Oui, voilà, très connu, Hop. qui permet de récolter. Non! Ah si, t'aurais pu l'améliorer en faisant un cours d'eau qui amène jusqu'à un point précis. Bah, ça peut se faire, hein. Voilà, donc c'est juste un petit cours d'eau, puis voilà. Donc ça, vous pouvez toujours l'améliorer de votre côté. Là, c'est un truc, en fait, tu rentres, mais après, je crois que Attends, attends. tu Attends, peux pas attends. en Je vais sortir. l'améliorer à l'instant, là, devant les... Voilà. Hop, voilà, amélioré. Donc, après, tu me disais où? Ça, c'est le truc qu'on peut pas sortir. Ah oui, ça c'est un piège en fait, hein. Voilà, comme vous l'aura montré Funo, bonne chance pour sortir après. À Putain, part le je fly. Sinon, si vous êtes bloqué dans des pièges comme ça, je vous dis tout de suite, vous faites carrément slash spawn et vous revenez tout simplement au point de spawn. Et leur dis pas, sinon après ils vont le faire à chaque fois. Bah, Si moi j'ai envie ça semble logique. de leur tendre un piège. C'est chiant. Et ah tiens, on n'a pas fini en fait tous les autres. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ici, ben ça c'est Elve 974 qui me l'a montré. Regarde, pousse le minecart. Pousse. Tout à l'heure, je l'ai fait. Voilà. Hop, et puis on peut rentrer dedans. Il faudrait un délayeur. Attends, attends, pourquoi ça veut pas? Mince. Il faut un délayeur juste ici. Mais juste un petit truc avec un délai. Normalement, ça devrait mieux aller. Par exemple, si on fait ça. Voilà. Mais normal, t'étais pas prêt. Ah oui. Donc voilà, et puis petit passage secret en fait, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre aussi? Ah ben l'attraction en fait, là les portes, on va dire des commerces, portes commerciales, tout simplement. Hop, vous passez devant. Hop, ça vous ouvre. Voilà. C'est connu ça aussi. Et pour éviter qu'on voit les sticky pistons qui sont dégueulasses, vraiment moi j'aime pas trop leur skin, vous pouvez toujours mettre, je sais pas moi, de la cobble ou Ah mais non, autre. mais justement, le but c'est de mettre des vitres. T'es pas obligé. Oui, mais bon, mais pour cacher les sticky pistons avant. Parce que là on voit les sticky pistons là ici.
Oui. Tu peux toujours mettre de la cobble avant la vitre. Ce qui enlève le truc. Tu peux mettre de la stone avant la vitre. Et ce qui enlève l'effet de merde du sticky piston qui est vraiment En pas fait, super beau. remplacer la vitre par la cobble. Non, non, pas du tout. C'est Ben, par juste exemple. après les sticky, c'est la vitre, hein, qui est Oui, foutue. mais voilà. Mais voilà, mais tu les écartes d'un. Et puis tu mets entre de la stone et tout. Comme Ouais, ça, mais Philo, le sticky tu. piston, ça prend que le bloc qui est après, ça peut pas prendre deux blocs. Ah ouais, merde. Ah, c'est con. Parce que sur le mode. Comment il s'appelait? Piston? Sur le mode piston, là, Tout de. simplement. Sur le mode piston avant que Notch sorte officiellement le truc, en fait, le bloc, enfin, ça pouvait ramener tous les blocs. Donc voilà, là l'entrée avec l'accueil. Tac. Après, là, vous pouvez aller voir les expos. Donc pour l'instant, c'est celle-là, mais ça changera. Hein. Il n'y aura pas tout le temps celle-là. Et puis après, hop, vous sortez. Et voilà. Voilà. Donc, je crois que tout est dit, hein. On va pas s'éterniser plus là-dessus, si. Eh ben oui. Eh ben Ah, écoutez, le son a débugué, c'est bon. on vous retrouve dans le Mind Piece prochain, Voilà. en compagnie Bye. de Frixi la prochaine fois. Allez, au revoir à tous! Salut!